Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4. Évidemment, on se retrouve pour le nouvel épisode, évidemment, sur GPS4. Je suis en train de dire la même chose, c'est insupportable. Bien, mesdames et messieurs, déjà, je vous souhaite de passer une très bonne année. On est le 2 janvier, je vous ai déjà dit que j'espère que vous allez passer une très très bonne année pour l'épisode précédent. Je vous le répète, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne ou ceux qui viennent tout juste d'arriver. Je vous souhaite de passer une très bonne année, une très bonne santé. Vu que il faudra aussi qu'on prépare avec Eversim un concours GPS4 et 4ème génération Warfare pour vous faire gagner au moins quelques clés, ça serait sympa. Mais pour le moment, ce n'est pas encore acté. Ce qui va être acté, par contre, ça va être la prochaine attaque qu'on va pouvoir réaliser contre le Bangladesh. Alors, j'ai très peur des réactions, en fait. Est-ce qu'on va avoir des réactions militaires, hein, dues à part du Japon, de la Corée du Sud ou autre, vis-à-vis de cette attaque militaire qu'on va réaliser? Aucune idée. En tout cas, l'Allemagne... ce qui est plutôt drôle, parce que c'est même très drôle. Ah, mais c'est parce que c'est devenu la droite conservatrice. D'accord. Donc un mec de la Sierra Leone qui était anciennement chef de la force nucléaire. Attendez quoi? Comment ça, chef de la force nucléaire? L'Allemagne a la bombe nucléaire? Non. C'est où la Sierra Leone déjà? Je sais plus où c'est. Ah, c'est là. La Sierra Leone, ils ont la bombe nuque. On peut pas savoir ici, c'est pas grave, de toute façon on peut le savoir ici. Non, ils l'ont pas. Mais comment il peut être chef? Attendez, c'est quoi son truc? Oui, chef de la force nucléaire, ça n'a aucun sens. Par contre, son mandat, il est bientôt fini. Il y a un... Oula, il y a un... Bon, après, s'il est allemand, bah, c'est bien, hein, tant mieux pour lui. Mais c'est la première fois que je vois le jeu faire ça. Un paiement, enfin, une autre personne soit président. C'est sympa, c'est cool, hein, ça. Je trouve ça trop bien. Bon, sinon le Royaume-Uni et tout, ils me détestent. Hein. Bon, ça c'est pas nouveau, c'est toujours la même Formidable, le chose. premier prix. Mais c'est intéressant, d'accord. Mais par contre, chef de la force nucléaire, dans quel pays du coup? Parce que l'Allemagne et la Sierra Leone n'avaient pas de bombe nucléaire. Par contre, une chose qui est plutôt bien, c'est qu'on n'a pas 1 milliard de pays qui ont la bombe nucléaire. Alors que normalement, en 2036, on devait avoir quasi tout le monde qui devait avoir la bombe nucléaire, mais là, ça va. C'est pas... Par contre, c'est vraiment le bordel. Ici, il y a plein... Attendez, la Palestine a la bombe nucléaire. Et l'Iran, là aussi. Bon, de toute façon, c'est qui les plus grandes puissances? Moi. Moi, je suis quatrième. Après, j'ai pas besoin d'autant de bombes nucléaires. On va pas se mentir. Bon, on n'a pas besoin d'autant de bombes nucléaires. Pourquoi je suis en Somalie? Bon, très bien. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est juste ça. Hein. Voilà, 354. Ils s'en foutent. Reviens à la maison, petit. Parce que nous, on va Allons faire ça. procéder à des... Ouf. Où le missile est déjà parti. Attention. Et attention, dedans il y a 354 lance-missiles. Et c'est de level 4. Oh là là, ça va être magnifique.
Est-ce que ça la casse? Oh, non, ça la casse pas à 100%. Aïe, 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 quel dommage. Oh merde, je croyais que ça allait le casser. Ça provient d'où ça? Ah, batterie antimissile. Les mecs, juste, il y a 41 000 soldats qui arrivent là. Alors, est-ce qu'on peut sortir la flotte et canarder ce truc? Est-ce qu'on peut me faire de la reconnaissance, s'il vous plaît? Ouf. Par contre, ça fait mal hein, pour le Bangladesh. Ils ont quand même perdu 80 000 soldats d'un coup. Hein. Hors combat, 86 000 morts. Alors normalement, il y a plus de nombre, il y a plus de tués, hein, mais 86 000 déjà morts. Hein. Pouf! À plus. Ciao. Ils ont perdu 26 lance-missiles. Alors les lance-missiles, par contre, ça va être mon obsession. Je déteste les lance-missiles. Enfin, je déteste quand quand mes ennemis ont des lance-missiles. Parce que les lance-missiles, c'est très cheaté. Par contre, on va abattre. Ce serait bien que... Ok, juste toi, toi tu vas en profiter pour essayer de m'abattre ça serait sympa. Ok, ça arrive. Oula! Oh, c'est des gros missiles ça. Les mecs, il y a... Il y a Tonton Gertrude qui arrive là. Attention, présence, missile. Je crois qu'ici ils ont tout balancé. Ils en avaient 56. Ouais, ils ont tout balancé. Puis ils ont sorti les croiseurs. Est-ce que tu peux pas me canarder ce truc? Oh, mais il est énorme! Ah putain, il a balancé. Ah, c'est pas fini. J'ai pas un lance un anti-lance missile. Ah merde, il est trop loin, il va l'attaquer, il va le toucher. Ok, lance missile sorti. Lance missile sorti. Go attack. In this zone. Ah, il m'a touché. Ouh là, ça va faire mal, ça. Ouh, ça fait mal. Putain, mais ils sont énormes. Ok, toi, assure-toi juste de détruire. Détruis-moi ça parce que ça me fait peur. Non, non, assure-toi de détruire plutôt. Pardon, assure-toi de me détruire ça. Là-dedans. Bon, ça me saoule. Oh là là. Entrez là-dedans, s'il vous plaît. Il me faudrait ici juste
Drone. Ouais. Ouais, la guerre. Les forces Laisse-moi arrivent. faire. Appel aux alliés. J'espère qu'ils en ont pas, hein. Normalement, ils en ont pas, hein. En ces heures sombres, j'appelle tous nos alliés à tenir leurs engagements en se dressant à nos côtés contre les forces qui menacent notre pays mais je crois que et t'en as pas, l'équilibre hein. De cette partie du monde. Non, mais je pense que t'en as pas. Attendez, on va voir ça. Pardon. À part la Birmanie et la Croatie. Eh, ils ont quand même de bonnes relations. Ah, la Croatie me déteste. Par contre, la Birmanie kiffe le Bangladesh. Le Bangladesh, je sais pas comment on le dit. Ouais, et puis zut. Par contre, comment ça, cette zone est contestée? Elle est pas contestée, hein. Ouh, ça s'annonce beau là. Il y en a toujours autant. Attaque-moi ça. Ouh là là. Oui, ça, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire là, messieurs. Vous êtes très intelligents, merci. Vous le faites de façon parfaite. Hop, attaquez-moi ça. Comment ça, il s'est pris 26 000, lui. Ok, il est abattu. Ok, c'est parfait. Il va être détruit. Oh, wow. C'est pas fini, hein. Oh putain, ils sont en train de sortir toute la cavalerie. Oui, il va rester plus rien. Lui, il va où? Les mecs! Allô? Faudrait faire quelque chose, là. Il y en a qui arrivent, ici. Rapproche-toi. Rapprochez-vous, vous. Drone. État. Drone, état. Chasseur, bon c'est des level 2. Attaquez-moi dans cette zone. Il faut absolument pas qu'il touche, qu'il rentre dans notre territoire. Parfait. À la limite, hein. Eh, ça sort quand même, hein, des tanks. Hein. Exclusion de la CPI. Bon, pff. Un de nos drones a repéré. Ok, si tu veux. Un de... J'adore, elle intervient 46 milliards d'heures après. Hein. Ouh. Mes très chers concitoyens, l'heure est grave. Face aux provocations répétées de cet état voyou qui met en péril notre pays et la communauté internationale, j'ai décidé en conscience de lui déclarer la guerre. La diplomatie a échoué, nous le regrettons. Et c'est désormais à nos canons de s'exprimer pour la sauvegarde de la patrie. Très bien. Très bien. Il en reste quoi le Bangladesh? 17 000 hommes. Oula, ils sont en train de sortir là. Oh! Il lance la grosse attaque. Ok, il lance tout là. Là, ils ont tout à perdre. Hein. Beau. Tout le monde est en train d'attaquer. Très bien. Alors par contre, on va juste reconstruire ce truc. Mec, prends ton temps hein, pour attaquer. Hein. Je sais pas, il y a des trucs à ta droite. Ok, on a tous les lance-missiles et tout qui sont en train d'attaquer. Oh, c'est...
Ils ont cassé la ville. Alors ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Alors par contre, on a juste un petit souci. Mais ils ont pas été rapportés à l'ONU? Pourquoi? Je suis pas parti, je suis pas membre permanent hein, du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Oula. Attention, qu'est-ce qu'ils font là? Je pense sincèrement que... Non. Déficit? Mais on n'était pas en déficit? N'importe quoi. Pour l'instant, nos pertes restent minimes. Le 40 n'est pas favorable à notre intervention militaire. Et donc, ces pertes de soldats sont mal ressenties. Écoute, 40, c'est que dalle, hein. Face à cette menace... Ces troupes importantes... Par contre, Iran, on va se calmer, hein. Parce que moi, je te bombarde encore une fois, hein. Putain, ça va être la guerre. J'aurai deux fronts. Un front ici, un front là-bas. Putain, la ville, elle a explosé. Totalement détruite. Oi, oi, oi. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait, mais on a tout détruit. Hein. Là, c'est capoute. Hein. Bangladesh. Ah, ils ont envoyé tous leurs soldats, mais pas tous. Hein. Non, encore. Je sais pas où ils sont. Surtout, n'attaquez pas les centrales nucléaires, s'il vous plaît. On a déjà quelques soucis là-dessus. Ah, parfait. Il a enfin compris qu'il y avait un petit militaire ici qui arrivait. Bonne dame. Ah oui, ils m'ont mis les sanctions. Bim. Les sanctions ont été appliquées. Pourquoi sonne la retraite? Mais là, messieurs, il faut juste prendre la ville. Hein. C'est pas complexe. En fait, ils veulent attaquer mon côté droit. Hein. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux pas descendre? Ouais, voilà, les sanctions. Il fallait s'y attendre. Bim. Bon, celle-là, elle va être détruite. Il en reste quand même des commandos, hein. Alors, il y a des sanctions, mais sinon, personne m'attaque. Hein. Ok. Quoi? Attendez, c'est Tadjikistan, on est en hostilité? Ah ouais. Bon, vous foutez quoi, les mecs? Mais en fait, ils font rien. Mais attaquez! Master de golf, nous avons été exclus. Waouh. Ah, ils ont relancé. C'est reparti. Ils ressortent tout. Drone. Visu. Une petite visu. Bah, c'était facile, hein, cette guerre.
En plus, ils ont même pas été trop simple. Ouh là là. Par contre, là, ça commence à être beaucoup là. Quoi, il me reste que ça comme drone. Tant que j'en ai ici. Hein. Oh, ils en envoient plein là. Ah, mais ils vont tous dans cette ville. Mais elle est rasée cette ville. Bon, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4. D'ici là, passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous!